Est-ce que tout est là? Ok, acte de naissance, extrait des archives. Ok. Ça manque à faire comme ça, monsieur. Frérot, ça fait comme ça. Non, nous sommes qui ont rendez-vous matin à l'hôpital là. Ouais, c'est ça. Ah, ok, ok. Sur une route, man. Ok, good. Enfin, pas de problème. Enfin. Ciao. M'attends. Papoute? Amy? Où es-tu? Au salon, chérie. Grand matin, ça, où est-ce que tu papoute? Oui, j'ai une course à faire, chérie. Vous aimez papi parfait? Hein? Je ne connais non? Il est là, petite coquine. Ah, viens t'asseoir avec papi. Papoute? Mm-hmm. Dis-moi. Je t'écoute, dis-moi. Je t'aime, papoute. Emi Ouzoukou. Papoute. Emili, chérie, Mdou Soukou. Mbakatou, je t'aime. Emi, ou met dim son envie, dim nan. Vas-y, dis-moi. Papa, est-ce que tu m'as avec mon envie? Papa Mdouli, je t'aime et je suis très heureuse de t'avoir comme père. Mon Dieu. Quel beau mensonge. Ce n'est pas un mensonge. Ou belle, papa. Oui, belle Emi, belle. Et je t'écoute, c'est pas ma faute, Emilie, si j'arrive à voir que tu me caches des choses. Dis-moi toute l'histoire, on met pas la veine. Ok. C'est que ce soir, voilà. Je suis invitée à une petite fête chez Babas. Qui est Babas? Babas, c'est Sébastien. Qui est Sébastien? Papoute! Ok. C'est un camarade de classe. Et? Papa, et quoi? Emily, c'est pas ma faute encore si j'arrive à voir de tes yeux que tu ne me racontes pas toute l'histoire. Je t'écoute, vas-y. Papoute, tu sens pas aimé avec moi, oui? Qui est Babas? Quoi? Un camarade, c'est ça? Oui, Babas est juste un ami. Un ami qui te plaît bien, on dirait. Un peu, oui. Il est beau, il est charmant, et en plus, il a du style. Emily. Être beau, charmant et avoir du style ne sont pas, semble-t-il, les critères sur lesquels on se base pour sortir avec un garçon. Est-ce qu'il travaille bien à l'école? Est-ce qu'il est sérieux? Est-ce qu'il est honnête? Oh, papa! Pour qui ça tout pas ou ça, yo? C'est autant que ça, c'est pour mal, non, en fait, oui, maman, d'eau. Mes amis, on quitte ça. Emily! Quand on va secouer, ah, de toute façon, tu en as parlé à mamie? Oh, maman, je ne parle pas à madame ça. Chérie, on parle de ta mère quand même. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne t'entends pas avec elle? À ton avis, qui s'entend avec elle? Chérie. Elle est toujours excitée. Elle est toujours sur les nerfs. Et en plus, on ne peut pas parler en rien avec lui. Tu imagines, mamie a appelé de fouiller le téléphone, moi? Quand il est là, il a même besoin qu'on me passe Facebook. Mais il t'a pris ma pile. Comment ça le t'a pris, là? Ah, tu es de papoute. C'est quoi cette expression, Emily? Écoute, tu vois, c'est ta mère, ok? Elle
elle joue son rôle de mère, c'est tout. Tu vois d'ailleurs ces jeunes filles à pleuver. Donc, c'est son droit d'être au courant de tes faits et gestes. Imagine, Ogérie, tu es une petite fille pour elle. Donc, c'est son rôle de mère, c'est tout. Papa, mon ne pas qu'à parler avec mamie. Il est toujours après les sous. Parle là, on parle là, descend l'escalier, là, après les bien fort. Émilie, foot! Passez en achat maman pour aller nettoyer. J'en ai marre. Je ne suis plus une gamine. J'ai 15 ans moi-même. Je suis une grande fille. Émilie, tu l'as dit, tu as 15 ans, chérie, ok? Et en plus, une fille n'est jamais trop grande pour écouter sa mère, ok? Ceci ne l'autorise pas à vouloir connaître le mot de passe de mon cell phone. Mais bien sûr qu'elle en a, elle en a le doigt, chérie. Really? Oui. Tu connais ce mot de passe à elle? Ou qu'on a qu'un Snapchat toute la semaine comme ça? Bon, je sais. Non, tu ne sais pas. Ça dépend. Pourtant, tu devrais le savoir. Franchement, je ne la supporte pas. Chérie, c'est ta mère, ok? C'est ta mère. C'est ta mère, donc tu dois l'accepter. Personne n'est parfaite, ok? Elle a ses défauts, mais tu l'acceptes avec ses défauts. Ok, chérie? Tu l'aimes? Bien sûr que je l'aime. C'est ma femme. Moi, à ta place, je ne l'aimerais pas. Pourquoi? Elle n'en vaut pas la peine. Tu penses que... En tout cas, chérie, laisse-moi te dire. Tu vois, dans la vie, c'est ce qui est important, c'est pas ce que fait la personne. OK? C'est la personne elle-même. Tu vois, avoir quelqu'un de sa vie, quelqu'un qui peut faire des sacrifices pour nous, quelqu'un qui nous aime, c'est ça qui est important. Te lever tous les jours à côté de cette personne, c'est ça qui est important. Et d'ailleurs, ta mère et moi, on forme une famille. Hein? Elle m'a donné deux beaux enfants. Regarde Jean Belle, tu as grandi. C'est vrai que ton petit frère, il est mort, mais quand même, il fait partie de la famille. Tu m'as eu ou elle me t'a donné? Chérie, l'hypoto 9 mois en vente et finalement, après tout, c'est 2 mondes qui font 6 mondes. Et peut-être 3. Qu'est-ce que tu racontes, Emily? Je me disais, si on ne pouvait pas être 3 pour avoir un enfant. Qu'est-ce que ça veut dire, franchement, Emily? Oncle Marc! Comment ça va? Ça va? Ça se voit. Qu'est-ce que tu m'as apporté de bien bon? Rien de spécial. Juste les chocolats que tu adores. Merci, oncle Marc. Merci. Émilie, tu consommes trop de chocolat. Trop de sucre, Riot. Moi, même pas poutre. Oui. Ou fake font faute. Émilie, 1, tu ne me parles pas sur ce ton. Et 2, tu ne me mens pas. D'ailleurs, j'en ai vu plein de ces emballages à la poubelle. Et je sais que ta mère déteste le chocolat. S'il y a une menteuse dans cette maison, papa, ce n'est pas moi. D'accord? Il faudra peut-être voir ailleurs. Supposons qu'il y a une invisible dans cette maison qui aime les chocolats. Franchement. Qu'est-ce que c'est là? Au revoir, princesse. Au revoir, princesse. Bye, papou. D'accord. Ok, parfait. Mamie, va aller, non? Yo, man. Yeah. On n'a pas trouvé Émilie bizarre, mais... Non, pas ça, non. Mais Émilie, raconte un paquet d'histoires. Bah, bizarre. Semaine, ça va être bizarre, très bizarre. Imagine, on lui dit que... Matin, est-ce que 3 mounes va faire 6 mounes? Ah, mon cher. Imagine-toi, Émilie, qui travaille, mon cher. Bertrand, nous disons ça. Ou quitter Émilie, garde trop feuilleton. Eh bien, était là, la privé tout là. À part ça, elle a besoin de tenir le jour. Il est visible de quand elle a mangé le chocolat. Mon cher, on va être tout ça, t'as dit, papa. On va être tout ça. En tout cas, on va être à la main, man. Ah. Cher, pour t'il pour. Mais dis non. Moi, dis non.
Ce monde va tout comme ça être. Ah, mon cher, inquiète-toi. Dans moins de deux mois, je vais rebousser tout comme là. C'est juste quelques démarches que je régler pour même avec madame et puis Émilie. C'est juste que je vais aller au courant, non? En tout cas. Je vais au courant, non? Je ne pas le dire ça. Moi-même. Yeah. Mais bon, je vais pas sortir de matin. Matin, on dit ou bien rendez-vous l'hôpital même. Yeah, c'est toujours même barrio. Ah, bien, okay. C'est toujours même barrio. Ah, un problème, mon cher. Yeah. Ça en tout cas, même. Man, ne veux pas tourner des cailles. T'as pas dit ça. Ah, mon cher, et grand formier. Qu'est-ce qui vous a bon corps? Moi-même, je connais au cas où. Mon cher, qui m'a dit ça? Ah, mon cher. Bon, ok. Eh. Dis-moi qui l'a dit ça. Ah. Ou c'est frère, tout ça m'a c'est pour moi. En tout cas, man. Yeah, d'ailleurs, prêt pour me rendre tout service. Même sans pas t'imaginer. T'as ça veut dire, man. Emily. Chérie, la nettoie est chambre ni en jonte et dit la nettoie là. Oh, c'est vrai, oui. Moi, j'aime tellement une nièvre là. On grine seulement après pour me baptisonter, tout bol sel là tombé. Oh? Oh. Pour qu'ils soient comme ça, nous avons un bol sel tombé au pantin. Pas la dire des faits grandement avec des baguettes là. Mais chérie, j'ai toujours dit depuis sel ou tombé en danger, oui. Ah, superstition. C'est vrai, oui. Et puis, n'est-ce que l'heure est en cours, Bertrand? Il est pour suspendre des baisers, oui. Chérie, baisers qui vérité dans les en tout cas. Ah. Ross. Ok. Oh, je suppose à l'ouvrir le studio déjà. Bonjour Yannick. Je vais aller à Emily pour aller ramasser le ballon, moi, t'as dit. Chérie, Marc, salut. Emily! Emily, foot! Mamie, je vais aller à Emily Joseph. Je vais aller à Emily foot. Oh! T'as le, Emily. Chérie. Wap Kalem? Chérie, t'as le. Chérie, Wap Kalem, Emily? Chérie. Oh! Sérieusement. Emily. Al ramasser celle-là pour mamie, ok, chérie? D'accord, papa. D'accord, vas-y, vas-y. C'est au fait, Emily, prendre tête pour reine mémé, oui? Mais chérie, bon, j'en peux parler à Timoun. Qui j'en bats la velle? C'est simple. Chérie, non, mon job du mal. Mon cher, maître, quittez-moi, allez, non? Allez, man. Un bon, ok, man. Pas de problème. Mais, bon, Dieu, man. Où songez, gros choix, le marron, boss selon tes gains, hein? Ou brave, l'eau? Pas de Timoun, non, dig. Ok, gros choix là, hein. Mais ça, c'est passé pour le doter choix ça. C'était qu'on a pour mieux sauver. Monsieur, moi, non, même quoi, ok? Oh, mal, c'est dans mon caca. T'as l'air. Timac, et moi, choix là. Béton. Et moi, choix là, Timac. Béton. Yo, allez. Quand tu fais un homme, non, bef, qui, oui. C'est Yannick. Ça va passer comme ça. Ça va passer comme ça, même. Ouais, c'est fou, là, qu'on permet, hein? Mais je suis chérie, je me dis deux mots, et non, mais t'as la tête. Mais chérie, comment ça regarde-t-il? Comment ça regarde-t-il pour monter sous lui pour passer à lui, là? Ça va pas de sens. En Bertrand, pour ça, je me dis tête, moi, grand matin, ça, là. C'est Timac, je me dis bonjour. Hein? Et puis, je me dis très épave. Parce que grand matin, ça, là, il va aller à la Vinchita. Chérie, Marc, c'est ton frère, m'a dit, il vient me rendre mon service matin. En tout cas, moi-même. Pas gébelle avec elle, pas aimer well, c'est ça me moi-même. Et m'sûr, ça fait qu'on t'y femme ni besoin de carreau. Ah, Yannick, là, pas bah, moi, non, exagéré, Yannick. Quoi? Exagéré? Bon, dis-moi, comment faire un logement qui peut marier? Tu vas décider. Tu vas décider. Chérie, c'est deux bagailles. Ou bien le vagamondage de Yoa, ou bien le sucre l'eau. Sucre qui ça? Sucre l'eau. Sucre de l'eau. Vous comprenez, chérie, haïtien, oui, production non. En tout cas, Yannick, je trouve ça vraiment pas de sens. Max, c'est ton frère. Pas besoin d'accepter mon traité comme ça. Même genre, même c'est madame, moi. Pas besoin d'accepter mon abdou qui n'est pas de bagaille. C'est ti madame, moi, bon Dieu, bon, moi. Ti madame, moi, elle fait ti bon pour lui. Il fait ti bon pour ma roche. Oui, Olivier, c'est ça. Il fait ti bon pour ma roche, chérie. Oh, béni, il fait ti bon pour ma roche. Ah, chérie, bon, je vais sortir, ok? Bon, ça va qu'il est comme ça, Tibé. Chérie, surprise. J'étais sûr que. Oh, content. Chérie, oh, content, c'est sûr. Hein? Entends-moi. Pas fin toi mal. Ok, chérie, à plus tard. Bye. Bye. Quête.
Ça qu'a passé là? Pourquoi ça que m'a sauté comme ça? Papout? Papout? Papa? Papa? Papa, ça va? Papa? Papa, oui? Oncle Marc, c'est papa. Il ne se sent pas bien. Non, non, je ne sais pas ce qu'il a. Mais moi, les mamans déjà, je ne sais pas. D'accord, oui, maintenant. D'accord, je vais essayer. Maman répond. Maman, c'est papa. Je ne sais pas si je suis là. Je suis là. Je s'il te plaît. D'accord, ok. D'accord, je vais essayer. Papa! Papa, oui? Papa! Ne t'approche pas de moi, Émilie. Surtout, ne t'approche pas. Papa, c'est qui? Où est ta mère? Elle arrive. Papa, si c'est pour ça que je suis du matin, je ne parle pas avec Babas vrai, non? Bertrand? Bertrand? Bertrand, sans rien. C'est courir qui te suit avec une jeune oui. Sans rien, chérie. Bertrand? Bertrand? Je vais te tuer. Je vais te tuer, Annick. Où fou, Bertrand? Ça va pour là? Papa! La ferme. La ferme, salope, la ferme, ok? Salope, Bertrand, pas maman. Papa, sangue! Pourquoi, Annick? Pourquoi? Pourquoi quoi, Bertrand? Pourquoi tu m'as trompé pendant tout ce temps, Annick? Moi-même.
pour la Bertrand. Pourquoi, Yannick? Je ne comprends pas ce que tu dis à Bertrand, je ne comprends pas. Hein? Tiens. Prends la salope, là, je te dis! Parle sur moi, Bertrand. Ça fait ça, dit. Hein? C'est Léo, non, hein? Ça, c'est test ADN. Qui montrait qu'Émilie... qu'Émilie pas petite, moi. Qui m'a fait test ça, Bertrand? Hein? Si Émilie pas petite, ou petite qui est-ce lié? Bertrand, ce test ne prouve rien du tout. Rien! Comprends-nous, non, Bertrand? C'est 10 ans que depuis me marier avant, oui. 10 ans, oui, chérie. Et pour qu'ils se levent bon matin comme ça, et puis. Ou juste décider à le faire test? Je comprends ça. Et moi-même, je bah, j'aime trop pour Bertrand. Pas même mon jour, je bah, trop pour. Hmm? Et c'est qu'on s'en remercie, chérie. Je ne pas moi qui pas chercher, Annie. Qu'on s'en remercie, Bertrand. Avec un vieux feuille pas bien, on vient dire mais il est pas petit tout. C'est pas petit tout, petit qui est lié Bertrand. Qu'est-ce que moi Yannick? Non, on met à chercher un autre laboratoire, fait ça, t'es ça pas bon. Et ça hein? Oh, fais encore Bertrand. Oui. Et celle-ci prouve que je suis stérile. Oh. Quoi? Un homme stérile qui a deux enfants. Oh mon Dieu, que je suis heureux, hein? Que je suis chanceux, Yannick. Tu vas me le payer, Yannick. Tu vas me le payer, Yannick. Mais c'est au fou. Et pourquoi ça m'humilie comme ça, Bertrand? Ça me fait, chérie. Hein, Tibet? Je m'en moque pas, chérie, Yannick. Hein? En tout cas, Bertrand... Moi, je ne parle pas pour s'en douter de moi comme ça. C'est pour question de doute, Yannick. C'est pour question de doute. Hein? T'es juste à régler des matchs pour me voyager à voir avec Émilie. Et c'est de surprise, ça me tape pas le matin. Hein? Mais jamais pas je m'imaginais que ou même, ou t'as fait mon barrière comme ça, Yannick, que madame Pam, non, hein? T'as fait ça, Yannick. Non. En tout cas, Bertrand, je suis en pile. Ouais. Ouais, même, oui. Ouais, même. Ouais, même, vrai, Yannick. Ouais, même, vrai, moi, ça. Oui, Bertrand. On met prend la risible, mais. Même, je suis en pile, Tibet. Ouais, Yannick. Suspendre les petits bêtes, hein? Mais boulez-moi, suspendre les petits bêtes. Dis-moi, qu'est-ce qui va, papa Émilie, Yannick? Oh. Qu'est-ce qui va, papa Émilie? Émilie? Qu'est-ce qui va, papa Yannick? Émilie! Bertrand? Bertrand? Que se passe-t-il, Bertrand? Pourquoi tu mets ta famille en joue, Bertrand? Yo, ok, je n'ai plus de famille, ok, moi. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis un raté, je suis un cocu, voilà, c'est ce que je suis. Tu as bu, Bertrand? Ok, calme-toi, ok? Calme-toi. Ton petit frère est là. Yannick, parle avec moi. Bertrand. Yannick, parle avec moi. Qui est-ce qui va pas Émilie, Yannick? Oh. Bon, vérité. Bertrand, calme-toi. Bertrand. Calme-toi, Bertrand. La vérité ne rend pas les choses plus faciles à comprendre. Je t'assure. Calme-toi. Yo, Mac, elle fait où tout est mais. Dans la caille, ok, man? Dans la caille, qui t'aime gérer, elle fait la caille, moi. Bertrand. Yannick. Et puis, parmi de faire psychologie avec moi. Ok? Bertrand, on va te dire. Je veux dire, c'est pas psychologue là que là. C'est Tifo là. Tifo qui aurait m'en pile là, Bertrand. Je veux les deux. Descends à moi. Pas moi, ok? Ok, Bertrand. On a toujours besoin d'aider moi-même. On a toujours besoin d'aider moi. On n'a pas gagné au fond, mais on n'a pas gagné au fond. Bertrand, je veux dire ça matin.
ou c'est frère, moi prêt pour moi nous tout service. Ouais, tout service. Et même ça me pas imaginer. Émilie, matin, on va dire que trois mouns, quatre font six mouns, et que ta mère ne méritait pas mon amour. S'il y a une menteuse dans cette maison, que c'était pas toi. Tu dis que tu ne manges pas toujours les chocolats. Et il y a plein de ces emballages dans ma poubelle. Et Mok, tu vends toujours du chocolat. Donc c'est toi, Yannick, qui les mange. C'est toi, Marc, le père de mes enfants. Pas de bâtirer. Donc, Émilie, tu étais au courant de tout ça? Ok. Donc, c'est moi-même qui t'ai gros imbécile là, dans toute situation. Ok. On y a me comprendre. Moi, pour quelle raison t'as pris les petits bébés? Parce que je suis vieux bébé vrai. Ok. Je vais montrer nous ça que bébé je dis. Moi, il faut que c'est une pour qu'il pague. Moi, le fils de nous, une pour qu'il pague. Non, maître. Où sont les qui chasseurs en pile? Mais malheureusement, vous ne comprenez pas ça. Tout ça nous fait pour vous, c'est parce que nous aimons, maître. Par amour. Ouais. Par amour. Oui. Par amour, ouais, mais tu veux que ça marche, mais par amour. Par amour, Bertrand. Par amour, tout est possible. Où sont les gens de l'école? J'enterrais mes jeux de football. D'ailleurs, c'était passion, Bertrand. Tout pour terrer mon et pour moi, où c'est ton modèle? Où songez? Ça, histoire, ça vient faire là, man. Où songez dans le final championnat interscolaire? Où t'es recevé un gros coup de ballon dans tes testicules, maître? Où t'as souffri en pile et où t'es passé près de trois jours dans l'hôpital sans connaissance, maître? Et joue ça, moi, t'es là, où t'as prié, t'as gagné la foi. T'as prié pour que je l'ouvre, maître. Finalement, docteur a été arrivé soigner. T'es sorti vivant. Mais en conséquence, où t'es risqué à 90% pour t'es stérile, maître. Et papa me devait me jurer pour pas jamais dire ça.
C'était trois rébés, on sont des qui fiers, qui orgueilleux. Donc, tout est peuple et c'est orgueilleux. Ok. Non, l'autre est vite marié à qui a dit que la PC goubé pour Gautibou n'est pas capable. Donc, t'es relé à dit et t'expliquer tout le bagage. Ok. Ok. Donc, par amour, coucher madame, mon bon, deux belles timonnes. Oui, okay. Bête, non. Par amour. Par amour. Écrasé. Donc, à passer mon narizib nous-mêmes. Hein? Ok. Ok. Yannick. Passons là. Oh. Yannick, passons là. Toute la cette journée, on dit, on joue et mag, on balle tout le nom, on prend les secrets de l'eau, j'en dis. Hein? Et pourtant, il faut que l'on n'a jamais de secret, hein? Oh, bientôt, non. Il y a des personnes là. Il y a des personnes ici, dans le jour. Chaque jour, on prend pause, on dit, mag, toute vieille bêtise. Et bien, il est même qu'à foutre plus mon sous moi là. Oh, il est même qu'à plus mon sous moi là. Pas au soir, même pas poule. Ou même pas au là. Oh. Pas au là. Pas au là, merde. Pas au là, je dis. Je vais le montrer nous. Je vais le montrer nous, ça que j'ai dit. Ouais. Dis-nous merci, ok? Merci pour les imbéciles ça nous fait jouer. Vous êtes là. Yannick. Vous connaissez bien, ok? Vous connaissez bien, j'aime bien. Vous connaissez bien. Je me fais sacrifice pour vous. Vous connaissez bien, je me guérir fou. Madame, je me pense que c'est vous qui avez fait ça, Yannick. Jamais. Jamais, Yannick. Je me pense que c'est vous qui avez laissé détruire la vie comme ça, Yannick. Papi, pas dit ça. Moi, mon ami, papa. Ça va t'empêcher de toujours aimer mon nom, papoute. Je suis tout Emily. Je suis tout vous connaissez, j'aime prêt pour faire pile sacrifice pour vous. J'ai pile projet pour nous, pour toute famille. Et je dis à Cousin Fell, pas que rien qui se pour moi encore. Ouais. Voilà tout ça, nous prenons tout ça, net. Ok? Nous prenons un homme. Nous prenons tout ça me dégager de pichet pour moi. Je suis un méchant, nous sommes pas un méchant, nous regardez, je dis, je ne pas gagner encore. Je suis petite encore. Je suis madame encore. Je ne suis pas même frère encore. Ça me dit qu'on ça pas. Ce n'est pas avec que mon son papier non mon papa. C'est à cœur. C'est à présence où. Papa, tu es toujours là pour moi, oui. On m'a tout ça, je vais besoin, oui, papa. Avec mon papa, je non papa. Papa, s'il te plaît. Papa, je t'aime. Et on même qui mène l'école. Et ok, après, mais ma chère, pas pour tous ces amis, pas pour dire mon papa, moi, pas pour ma fille. Non. Qui t'a tiré, Emily? Ah non, ouais, Bertrand, tiré. Non, pas pour. Non. Non. Bertrand, si je dis à un feu papier, quand il fasse tout ça, me représente dans la vie, tiré, Bertrand. Papa, non. Bertrand, si je dis à un test, quand faut oublier tout ça, nous vivre ensemble, tirez, pas tirez, Bertrand! Non, moi, je vais vous battre! Non, ma fille! Non, tirez, pas garçon, Bertrand! Pas garçon? Hein? Ou pas garçon? Non, non! Non, papa!
que... Dès que le choix... entre triblo et balle... ou bien foutre en poison, Yannick. Mais finalement, on va mériter ça. On va mériter ça, Yannick. On va mériter ça. Non. On va mériter. Adieu. Bonne vie à toi. Chérie.